Là, je viens d'arriver à Tenerife pour une durée de 3 jours. Donc, comptez sur moi pour vous emmener découvrir les incontournables de l'île en un temps record. Tenerife se situe en plein cœur de l'archipel des îles Canaries. Alors c'est la plus grande, c'est la plus centrale, c'est la plus connue, en tout cas c'est la plus visitée. Alors le truc qui est vraiment frappant quand tu arrives à La Laguna, c'est que t'as l'impression de débarquer en plein cœur de l'Amérique latine. T'as l'impression d'être au Pérou, de te balader dans des cités coloniales péruviennes. Je vous présente l'incontournable numéro 1, c'est l'emblème de Tenerife, c'est bien sûr son volcan, le Teide. Et d'ailleurs le Teide, au-delà d'être l'emblème de Tenerife, c'est carrément un emblème espagnol, puisqu'il se trouve que c'est le sommet le plus haut de toute l'Espagne, qui ne se trouve donc pas sur le continent, qui se trouve ici aux Canaries. Il culmine à 3700 mètres d'altitude. Situé entre la planète Mars et le Far West, l'Ouest américain, clairement, c'est impressionnant. Ok les amis, alors là je pense que j'ai un des spots les plus impressionnants de tout Tenerife. Je suis en train de me rendre au petit village de Masca. Mais en fait, encore plus impressionnant que le village, c'est la route qui mène à Masca, qui est un village qui est perdu dans la montagne. Sauf que la montagne, en fait, on dirait la cordillère des Andes. C'est un dépaysement rare. Bien sûr, Tenerife, et c'est aussi de magnifiques plages et des plages de sable noir volcanique. Alors en attendant que tu sautes dans le premier avion pour venir visiter les îles Canaries et j'espère Tenerife, n'oublie pas de me lâcher un petit pouce vers le haut. Écris-moi un commentaire parce que je lis tous vos messages, ça me fait super plaisir et je réponds à tout le monde. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.